Mba beje fom koloket, mba beje fom medam. Ale ou non, ale ou laba. Point vigil. Bonjour tout le monde. Je dis à encore, je suis content pour me capable parler avec vous de yon musique qui fait un pile parler de lui. Musique ça l'est, fom koloket. Fom koloket, c'est sorti dans un groupe qui est Ensemble Select, qui était gagné comme vedette li, Gisner Henry, alias Coupé Chloé. Nous voyons ensemble qui ça, Coupé Chloé, tape dit dans la musique ça. D'abord, qui ça qui coloquette? Comment nous avons défini coloquette? Eh bien, nous avons plusieurs vocabulaires que nous avons utilisés pour nous définir coloquette. Nous avons dit coloquette, le dit crasse, dit cocoyé, cripia. Il n'y a pas de définition, pas de mots pour nous définir. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que si un monde qui remet l'argent et il n'est pas remet dépenser. Mais que ça? Mais qui définition ça nous a appelé coloquette. Là on dit ou son garçon coloquette ou bien ou son femme coloquette. Ça veut dire que ou c'est un monde qui remet l'argent mais qui n'est pas dépensé. Nous allons ensemble dans le texte là comment monsieur lui-même il définit femme coloquette. Dans la première strophe là, c'est un quatrain avec vers libre et qui gagne rime plate et rime suffisante. Rime plate, pour qui ça? C'est parce que dernier mot, c'est drôle, parole, importance, souffrance. Et pour qui ça nous dit il suffisante? C'est parce que nous gagnons rôle, all, Anse, c'est deux sons, donc les suffisantes. Roll, normalement, le roll, nous pas gagné deux sons. Nous gagnons trois, le son rou, le son o et le son l. Ça veut dire que c'est un rime qui est riche. Dans deux premiers vers, nous jouons une rime riche. Et dans deux deuxièmes, nous jouons une rime suffisante. Maintenant, qu'est-ce que monsieur dit dans Versailles? Il dit femme, c'est un créatif qui drôle. Il a trompé garçon avec des belles paroles. C'est-à-dire que monsieur commençait texte là avec un jugement, on peut dire qui négatif sur femme. Là elle dit que c'est un créatif qui drôle, il a trompé garçon avec des belles paroles. C'est un jugement qui est négatif. Non. Vers 3 et 4, il dit que les yon remarqué, yon gen trop importance, yon vle jete ou comme si ou nan souffrance. Ça veut dire que il qualifie femme comme yon moun ki égoïste. Ça veut dire c'est tête li seulement li konnen. Là il dit que les yon remarqué ou même comme un garçon gen trop importance, yon vle jete ou comme si ou nan souffrance. Ça veut dire que femme nan, il n'est pas d'accord pour t'agabgeye yon sorte de supériorité. C'est lui-même pour qui est supérieur. Là où il y a trop d'importance, la fonge pour le craser. C'est comme ça, monsieur lui-même, lui est femme. Dans la deuxième strophe là, monsieur dit que, monsieur, deuxième strophe là, c'est un septet, c'est-à-dire que il y a sept vers, avec un rime plate. L'elle dit que dans fin strophe, dans toute fin strophe là, elle dit que tout partout, bakoulou, remèou, rance ou penseou, hein. Donc, nous trouvons que il y a une rime plate là-dedans. Mais, qui ça qui est dedans strophe ça? Elle dit que dans le premier vers là, elle dit que femme qui gazier tout partout.
a dit que une femme qui gagne tout partout, ça veut dire que son femme qui a pris plusieurs garçons. Son femme qui a fréquenté plusieurs garçons à la fois. Dans le deuxième vers là, je dis que remet 10 garçons, c'est bakoulou. Ça veut dire que c'est une femme qui a joué garçon tout le temps. Ça veut dire que l'autre femme qui a dit garçon, c'est bakoulou. C'est-à-dire que femme ça li wè nan nèg ça un nèg qui ka ba écoute ba un nèg ka ba écoute un nèg qui pas sérieux et nan verse 3 à 7 je dis que lè ou déclaré mes chéri m remè ou yo baptisé ou yo passé ou nan avance lè ou déclaré mes chéri m remè ou yo baptisé ou yo passé ou nan tintin. Ça veut dire que c'est une femme a toujours baissé, rabaissé et méprisé garçon parce que yo pas connu valeur garçon. Ça dit que Dieu dit que ça dit là un garçon pas être devant femme, il dit femme dans le remel et les femmes dans estimer que nèg la remel tout bon, bon c'est laisse ça qu'on y a la femme ça pour le faire nèg ça passer dans bêtise pas le faire mais ça fait tété. Mais comment monsieur poulet jusqu'à présent là ça fait une description de qualité. Donc on dit que qualité c'est pas de bonne qualité mais c'est de mauvaise qualité qui gagne ou bien défaut qui gagne la forme surtout les garçons déclarer sentiment li pour femme ça. Et puis dans strophe dans troisième strophe là nous avons dit que c'est toujours un CT avec vers libre. Mais dans vers 1 à 4, je dis que ça. Je dis que, venez rencontrer où? Où c'est Tinègue qui compte plan, là, chercher un moyen pour battre tout le monde. C'est-à-dire que, depuis c'est un garçon qui paraît un genre intelligent, paraît un genre smart, ou femme non, hein? Femme nan a dévié plan ou quand même. Est-ce que nous voyons jusqu'à présent comment monsieur a campé en femme? C'est-à-dire que yon nèg qui smart, c'est-à-dire que femme pas d'accord, ou nèg smart, femme pas d'accord, ou nèg qui intelligent. C'est-à-dire que la font j'en quand même pour le rabaisser. Et puis, nan strophe, nan vers 5 à 7, je dis que mes mamans chéries, pas vine si veillez, allez où vous en, pas bon tête chargée. Ça, c'est une grosse parole. C'est-à-dire que nous sommes là, monsieur Baïfom, nan yon ultimatum, le dit pas vine si veillez, ça son ultimatum, pas vine si veillez. Et en même temps, li voye femme ça ajouté. Il dit femme ça, pas venir surveiller. Et en même temps, non seulement bah ultimatum ne pour pas pas gain droit pour surveiller et en même temps, li voye femme dans il dit femme non. Allons vous en pas bonne tête chargée. On continue pour quatrième strophe. La quatrième strophe là encore si on s'était avec vers libre. Dans vers 1 à 5, je dis que il y a un autre système pour adopter. C'est à l'extrême. Il y a une autre façon de dire sans canson. Ça veut dire que c'est un garçon qui n'est pas jam. Ça veut dire que la femme, non, il est là tout simplement pour le mépriser garçon, pour le dire garçon, ou pas jam, sans canson. Son garçon, pas jam, son garçon, pas garçon. Et puis, dans vers 6 et 7, je dis que si vous n'avez pas de gros maniguette, il y a regardé comme coq sans bec. Ça veut dire que ça, c'est une métaphore qui veut dire que on fait
bec à tête. Un garçon, il regarde comme coq sans bec. On fait bec à tête. Mais là, ça me dit, est-ce que mon coq sans bec là, est-ce que là dans le texte là, il est bien utilisé? Est-ce que utilisé dans le sens là? Et puis dans le cinquième strophe là, monsieur dit que je pas besoin de femmes coloquettes, je pas besoin de femmes. Mesdames, allez au là-bas, je pas besoin de femmes qui vivent dans mesdames, allez au nous, allez au foot vous en, je pas besoin de femmes qui vivent en mesdames. Sauf ça, on est capable de dire que il reprend quelques jouements, quelques mépris que monsieur a gagné et qu'il a adressé à femme dans strophe avant you. C'est-à-dire que il reprend toute une série de expressions que il a dit femme avant you dans strophe avant you, il reprend you dans strophe ça. Et puis ça nous va le jouer encore. Généralement, dans le chanté ou bien dans le texte, coupé couré, à la fin du texte, il toujours raconte des histoires. Et dans l'histoire que l'a raconté, que nous ne pouvons pas lire l'histoire pour nous parce que c'est longue, mais nous invitons quand même à retendre la musique ça encore. Dans l'histoire que l'a raconté, il dit que il continuait utiliser une série de mots et une série de expressions péjoratifs pour rabaisser, mépriser et traiter femme, s'il vous plaît, de bousin. Donc, j'aime ce que je disais tout à l'heure, m'a invité à tendre la musique ça avec tête reposée pour nous ouais, expression. Et je vais relever pour vous là quelques champs lexicales dans le texte là. Il y a deux champs lexicales que je vais relever dans le texte là. Peut-être qu'il y a un plus. Il y a un champ lexical de jouement. Ça nous relève les mots. Moun kap joure moun. Je dis créatif qui drôle. Vous en allez au là-bas. Femme coloquée. Femme mesdames. Code red, mandé changement outside. C'est-à-dire que c'est des mots que monsieur utilisait pour jouer femme. Et l'autre champ lexical qui vient dans l'histoire et dans le texte là, les gens racontent l'histoire, monsieur dit son champ lexical que je le champ lexical de bousin. Pour traiter femme de bousin, monsieur utilisait aussi l'expression. Tant coup, ancien faute doit pédale, trompé garçon, zié tout partout, coussin piécé, bois fouillé, qui est-ce qui était là avant, entrez, entrez, le suivant. Tout ça, yo, c'est des expressions pour monsieur qualifier femme de bousin. Maintenant, si nous faisons un résumé de toute strophe et jusqu'à histoire, nous avons vu que dans la première strophe là, monsieur fait un jugement qui est négatif et il traite les femmes d'égoïstes. Dans la deuxième strophe là, il traite les femmes de bousin, il jouerait, il ouait aux femmes qui jouerait garçon, qui méprisait garçon. Dans la troisième strophe là, ou est son femme qui a baillé garçon problème, femme qui a metté garçon dans problème. Dans la quatrième strophe là, encore, femme qui a utilisé l'autre système pour yon mépriser garçon. Et dans la cinquième strophe là, nous te dit que c'est un rappel ou une reprise de tout mot, de toute expression, de jouement que l'il te prend et puis il refait la cinquième strophe là pour être capable de traiter femme de toute qualité bagaille. En plus, dans l'histoire que le racontait, qui a traité femme de toute qualité mot, qui
qui a joué femme, qui a traité femme de bousser. Et ce n'est pas le premier texte, ce n'est pas la première musique. Ensemble, c'est le fait pour qui a rabaissé femme comme ça. Est-ce que, je ne veux dire, texte ça, nous avons pris pour mettre dans la salle de classe devant l'équipe élève, pour étudier texte ça, puis ça gagne dans texte ça. Moi, je dis tout de suite, oui, nous avons fait ça. Mais par contre, je dis non. Pour qui ça? Je dis non. Musique ça, son musique, ministère de la culture, t'a supposé stopper musique ça. Parce que, il faut que nous gagnions un certain respect pour femme. Pour sa femme, représentée dans une société, je pense que musique ça, son musique qui t'a supposé aboli, banni pour le ministère de la culture, pour qu'une radio pas passer musique ça encore. Parce que musique là, n'est pas aller dans le sens pour mettre femme en valeur. Au contraire, c'est une musique qui a dénigré femme. Ou des mamans, ou des petites filles, ou même ou des mamans, ou des soeurs, ou des petites filles. Est-ce que vous même vous t'a traité maman, ou est-ce que vous même vous t'a traité petit tout, soeur, comme ça, ma tante, cousine? Non. Pour qui ça qu'on y a là, pour nous accepter ça? Non. Ça fait jour et jour, nous est que, il y a un pilote. Moun DJ tant que l'autre artiste qui prend un malin plaisir pour y a fait des musiques, toute musique ça c'est sous forme. Et musique qu'il fait sous forme, c'est des musiques pour dénigrer femme. Nous même dans Point Vigile, nous dit c'est assez. Faut que nous suspendons bagay ça parce que image n'a bay là, li pas belle. Li pas bon. Donc moi après dit là encore texte ça, c'est un texte. Oui, il a étudié l'école, mais pour élèves qui ont vu comment ensemble s'élève décrit femme, mais musique là, son musique qui a supposé bannir, qui a supposé parler, jouer encore. Et c'est pas seule musique ça que le gagné qui a traité femme comme ça. Bon, c'est bien dommage. C'est comme ça. Nous avons mis pas mieux dans l'analyse. Point Vigile, pour le mettre un point Vigile aujourd'hui dans l'émission. Mais avant nous aller, nous avons salué la famille Panfil, nous avons salué Nathalie Damour, qui s'est sponsor nous. Nous avons salué Viviane Alexis qui est derrière la caméra. Nous avons salué tous les amis Point Vigile, tout le monde qui a brûlé nous, qui a écrit nous, qui a encouragé nous. Pour nous continuer avec l'émission, ça, nous avons dit tout le monde, ça y est, merci. Merci pour le support, merci pour l'accompagnement. Donc, Garnel Pierre, animateur Paula, a mis un point Vigile, je ne vous dis pas, dans l'émission, ça. Merci, à la prochaine.